Bonjour et bienvenue, on repart sur une petite vidéo sur le défi de l'endurance. Est-ce que quelqu'un a dit que j'avais loupé une semaine? Oui, c'est possible, donc maintenant nous allons passer sur le dos hérissé. Alors cette fois-ci, ce défi remplace l'arène que je n'ai pas fait la semaine dernière parce que j'étais en train de livrer des paquets dans un jeu avec de la boue noire et tout. Enfin bref, dans tous les cas. Alors la difficulté est pas extrêmement élevée, par contre il y a un truc extrêmement chiant et il faut faire attention. Donc en premier, quand vous arrivez dans l'instance, vous allez devoir récupérer des brasiers pour allumer un feu. Et oui, c'est ça le problème. C'est que le feu, il faut le maintenir. Alors faites très attention à cette barre, le statut du feu. Une fois qu'elle est vidée, vous êtes complètement viré de l'instance et il faut recommencer les trois autres et après repartir dans celle-là. Et du coup, ça vous reprend encore une heure, voire plus des fois. Donc vraiment très embêtant. Donc faites très attention à ça. Il va y avoir des vagues de monstres à tuer, très facile, mais faites attention. Il y en a un qui va être ciblé avec un marqueur dessus. C'est celui-là qu'il faut impérativement tuer pour récupérer son carburant et le remettre au feu. C'est très important. Et à la dernière vague, la vague 3, vous aurez donc le boss, le dos hérissé. On l'a déjà combattu, c'est pas extrêmement dur. C'est un Ursix en fait qui est contaminé par les cristaux. Alors faites attention, évidemment, il est un peu plus résistant que la moyenne. Il fait mal, il peut taper de très loin avec ses cristaux et ça, il peut vous enchaîner en fait plusieurs coups à la fois. Donc faites attention si vous y allez en GM3. Mais voilà, le plus gros problème, enfin le plus gros risque de cet événement, c'est de laisser le feu mourir. Donc si vous êtes seul ou alors si vous êtes à plusieurs et que la personne ne sait pas ce qu'elle fait et qu'elle récupère le carburant et que jamais elle le dépose, c'est mort, c'est mort, vous ne pouvez pas la faire. Donc ça, c'est vraiment embêtant. Dans tous les cas, voilà, nous verrons ce qui va se passer pour la toute dernière semaine, la sixième semaine de l'événement du crâne dans Anthem. On verra ça sur une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, salut, ciao. Il faut que je livre encore plus de paquets, ciao.